L'idée, c'est de construire des maisons. Et donc, pour construire une maison, il faut des murs. Mais il faut trouver 4 cartes avec la même figure. Il faut 4 murs. Vous allez recevoir des cartes à un moment donné. Alors, ça va changer selon les modalités pour recevoir les cartes, vont changer selon les jeux. Et vous allez retrouver ça dans tous les jeux. C'est le fil conducteur. C'est fini, on arrête. En étant que d'un oeuf sur soi. Tout va bien. C'était sympathique. Ouais. Non, mais même non. Ouais. Tout le monde a le sourire, ça c'est... Ça va peut-être changer. Mais c'est pas sûr. Ouais, j'ai un mais j'ai un livre qui m'intéresse. Bon bah la société est morte. Où sont les sept? C'est la pire étape du jeu, c'est qu'on en a trois cartes et puis... Ouais, tu peux rien faire en fait. J'ai entendu le mot triche et il se passe quelque chose. Ah ouais, ils ont découvert. Non mais c'est génial. Hein. Ce jeu, je te dis, je vais t'aider maintenant. Alors là, je t'aide à fond, je vous aide à fond pour qu'on le passe à la télé. C'est parfait. Est-ce que c'était la même ambiance que le jeu précédent? Maintenant, pour avoir des cartes, eh ben, il faut les payer. Ah ouais. Oulala, on va se battre. Alors c'est parti. Pardon, ça marche bien? C'est fini! Et oui, ça commence à se rapprocher de la prison là. Nous est 8, 20. T'as juste payé les intérêts, c'est pas. C'est bon, c'est bon. Donc t'es pas en prison. Je vais pas avoir de quoi payer mes intérêts. J'ai une maison complète. Je vais aller en prison. C'est la faute. On a 20 tickets pour 4 personnes, c'est un peu limite. Mais si tu refais un crédit, tu peux jouer. Oui, mais j'ai pas envie de jouer. Il y a un risque, mais bon, c'est comme ça pour tout le monde. Mais c'est pas juste. Bah, on verra, mais vous êtes jeune, performant. Ouais. Vous voulez la charité? Il n'y a plus rien, oui, ils veulent plus. J'ai braqué la porte. Au secours, je me suis fait braquer. Ces gens qui se précipitent dessus. Il y a une carte par terre. C'est la mienne. Faire une liaison avec une carte volée. Quoi, tu lui as volé sa carte? C'est fini. Venez faire vos comptes. Prison. On serait prison. Ah, bravo. Alors en fait, moi j'essayais de mendier, donc j'ai pas eu beaucoup de succès, personne n'était généreux, donc du coup j'ai pris le grand moyen, j'étais faire un hold-up à la banque. Et la moralité de l'histoire, c'est que les gens honnêtes se retrouvent tous en prison, oui. Et les gens malhonnêtes, comme moi, et ben voilà, moi je suis en liberté. Le gouvernement qui met plus de la moitié, enfin beaucoup plus que la moitié en prison, il se fait renverser. Impôt, ça vient du mot imposer. Oui, exact. Donc c'est pour imposer quoi? Là vous avez une feuille, et en fait c'est votre compte. Viens là et puis je te donne les voilà. Cartes. Merci. Une maison qui remonte de 10. C'est un crédit en dessous, toujours là, tu peux jouer avec. Plus 2, moins 2. Et plus 2, moins 2, ça fait 0, donc c'est équilibré. Maintenant j'ai ma maison. Donc ça fait combien de cartes? Juste, regarde, j'ai ma maison. T'as une maison en plus, sans tricher. Sans tricher, en me laissant toujours guider. Et puis. C'est incroyable, moi j'ai... Oh, il y avait une carte et personne n'a sauté dessus. Avant c'était la folie. C'est bon, tu comprends comment ça marche? Ouais, c'est génial, on peut faire tous les systèmes. Est-ce que je peux t'acheter un... 19. C'est énorme là. Il faut ce qu'il faut. 19. J'en suis à ma troisième maison, ouais. Chouette. Chouette. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Bon, je pense que vous avez compris. C'est un groupe de la ligne. Alors là, aujourd'hui, vous avez vu 4 manières de gérer la vie économique d'un groupe de personnes. Et ces 4 manières, est-ce qu'elles sont équivalentes? Après, vous pourrez discuter et à manger à côté. Fantastique, moi j'ai mon rêve qui vient de traîner quelque part.